Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue donc à votre émission. Je rappelle que c'est tous les lundis dès 19h en direct de cette chaîne, pourquoi pas. Question de foi, donc c'est désormais ce grand rendez-vous, hein, ce grand rendez-vous de débat chrétien. Tous les lundis à cette chaîne, nous nous émettons en direct de la ville de Yaoundé, singulièrement au quartier ou bien au carrefour Fouda. Alors cet après-midi, hein, comme toujours, nous sommes accompagnés des grandes personnalités, des personnes ressources qui sont venues de partout hein, pour partager avec nous. Je rappelle que c'est un débat intellectuel en même temps chrétien et les personnes sont là singulièrement. On va commencer par des prêtres, des africanologues, des pasteurs, des prophétesses. Je vous souhaite de prendre une transition, surtout tout à l'heure, pour continuer cette émission. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé, Eligisono, immeuble Charco, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, aujourd'hui on continue donc avec la thématique de la dernière fois. Tout simplement de savoir sexualité, deux points, qu'en pense l'Église? Quand on parle de l'Église, on a des personnes sur ce plateau. Je vais commencer par l'abbé Fils Pierre Boumson, qui est prêtre de Jésus-Christ, par ailleurs curé à la chapelle de la Klolinga et père, voilà, et père supérieur de la congrégation des deux Saints de Marie et de Jésus de Marie, qui est avec nous pour la deuxième fois sur ce plateau. Bienvenue, mon père. Merci, monsieur. Comment vous sentez, mon père? Je suis à l'aise quand je suis avec vous. Je rappelle que vous sortez d'un voyage pour Je sors d'un voyage, oui. Et comme l'émission m'intéresse, et il a fallu que je couvre, j'allonge le pas pour être à l'heure. D'accord. Alors, juste à côté de vous, mon père, on a le célèbre africanologue, hein, pour qu'on ne présente plus, vous le connaissez sûrement. Il est le consultant de cette émission avec qui il est là tous les lundis. Pour répondre à vos questions, pour répondre à vos, à tout le moins à vos inquiétudes, il est avec nous, qu'on ne présente plus. Oui, je suis en train de vous saluer depuis la maison, vous tous qui aimez cette émission, et surtout que comme ça a commencé avant que nous puissions arriver devant vous, il y a certaines personnes en voyant comment je suis habillé, ont posé la question pourquoi l'africanologue est habillé dans le plan moderne. Mais nous ne sommes pas en train d'isoler l'Afrique lorsque nous sommes en train de parler de l'africanologie, mais c'est surtout pour que nous soyons à la page et reconnaître que beaucoup de matières premières qui font les choses, qui donnent la gloire aujourd'hui, sont parties de chez nous. Donc je vous aime très bien et vous aussi vous m'aimez à cause de ce que vous intervenez chaque fois et cela m'encourage encore à venir dans cette émission. Donc je vous fais coucou, vous qui êtes en Balmayo, vous qui êtes à Bachenga, vous qui êtes à Obala, vous qui êtes à Okola, vous qui êtes même un peu plus loin qui aimez cette émission, je vous dis bonsoir et je dis encore bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir donc l'africanologue, hein. Je rappelle que vous pouvez participer à l'émission tout simplement par SMS en envoyant votre SMS au numéro qui s'affiche en bas de votre écran à la maison. Nous souhaitons déjà dire hein, bonsoir, un bonsoir particulier à tous les étudiants de Tiang, l'université de Tiang qui sont nos fans. Hein. Je rappelle qu'on reçoit beaucoup de messages de notre côté là, sans oublier ceux de Libreville. Hein. On fait un coucou comme ça à notre ami Pascal, qui est toujours connecté, la grande communauté camerounaise de l'autre côté de Libreville, qui nous envoie des messages de soutien. Merci à vous. Et pourquoi pas dire un bonsoir à toute la grande communauté camerounaise de la diaspora. Merci pour vos soutiens. Alors, l'émission, comme on l'a dit, hein, tous les lundis, connectez-vous et n'oubliez pas l'heure, tous les lundis à 19h. Alors, juste à côté de moi, une fois plus encore, il est aussi un habitué de ce plateau. Pasteur Bettin, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à toutes les mamans. La fête continue en fait. Les moments d'hier, les moments d'aujourd'hui et les moments de demain. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans. Je suis une fois de plus ravi. Lundi passé, nous avons tous célébré la fête de l'unité nationale. Et ce thème est d'actualité parce que dans ce thème, nous verrons l'idée, la pensée, la volonté de Dieu dans le vivre ensemble et dans le vivre l'unité dans la diversité. Merci donc la seule femme de cet après-midi, la prophétesse Louise Bébitoumi, elle est leader du ministère Couronne de Salut, elle est avec nous pour une autre fois. Bienvenue prophétesse. Bonsoir monsieur le journaliste, et je vous aime bien, vous êtes beau ce soir. Merci. Et
Je dis comme ça, je profite comme ça pour dire bonsoir à tous les panélistes, particulièrement à M. Labbé, et sans oublier l'africanologue, ce grand homme, et sans oublier également le pasteur Bertin, qui a pris, je ne sais pas comment il a fait pour arriver ici-là, comme il disait, j'ai tellement couru pour arriver. Alors, je souhaite aussi remercier tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête hier, parce que comme toutes les mamans, j'étais à l'attente et merci pour la fête qui a été souhaitée à toutes les femmes, à toutes les mamans. Et que Dieu vous bénisse. Je pense que moi, je vous ai envoyé un message. Merci beaucoup. J'ai reçu votre message. Il était très important. Merci également. Non, c'était vraiment une belle fête. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la reproduction. En fait, la sexualité égale reproduction. Et moi, je suis un peu touchée. On va revenir tout à l'heure à la prophétesse. Alors, le panel est installé, donc on commence dans les hostilités. On va introduire donc cette émission avec l'abbé, le père, fils Pierre-Marie de la Passion Boumson, qui est avec nous. Alors, mon père, on parle aujourd'hui, on s'intéresse de la sexualité. Qu'en pense l'Église? Nous rappelons que la semaine dernière, vous avez amené le sujet, vous avez singularisé en plusieurs ensembles, les ensembles, les sous-ensembles. Alors, aujourd'hui, on revient sur le même thème. Des gens qui vous ont écouté la dernière fois, le retour était très positif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus à cette grande communauté qui nous écoute, en restant sur la Genèse, en restant sur la Bible, qui est, nous, les chrétiens, je pense qu'on ne peut que parler de la Bible, mon père. Merci, M. Journaliste. Comme nous le disions, il y a de cela une semaine, je pense. Oui. Alors, le thème est vaste. Et c'est un thème qui attire beaucoup de questionnements. Mm-hmm. L'Église est pour la vie. L'Église est là pour promouvoir la vie. Et la vie dans le CERS, c'est le chemin sine qua non, où on peut passer pour reproduire, pour qu'il y ait ce qu'on appelle la procréation. Dieu l'a voulu de toute l'éternité. Au départ, lorsqu'il a vu que l'homme était seul et qu'il faudrait qu'il ait une aide, quelqu'un qui pouvait réchauffer, c'est-à-dire son existence. Il était seul et cela montre que seul, on ne peut rien. Même dans notre société, quelqu'un qui prend un chemin. Nous, quand on était au séminaire, et lorsqu'on rencontrait un éducateur, rencontrait un séminariste qui est seul, c'était un cas de renvoi immédiat. Parce que on voit ce prêtre qui, demain, va prendre un chemin où il n'y aura pas quelqu'un pour dire que tu as mal fait ou tu as bien fait. À deux, on se soutient. Et lorsqu'on quelqu'un vient vous accuser, d'ailleurs, que vous m'avez fait telle chose, votre témoin, il répond et on fait confiance à sa version. Mais seul, ça veut dire qu'on n'a pas la vie en main. Et Dieu a vu cela, il a mis à côté d'Adam une aide, Ève. Je nous disais la fois dernière que Adam veut dire en hébreu, Ish. Hein? Et Ève, Ish, ça dit Adam, le pointu. Et Isha, la percée. Donc, il faut la matière et il faut seconder avec ce qui active la matière pour donner la vie. Donc, Dieu l'a voulu. Ce n'est pas une invention de l'homme. Et maintenant, il a dit, allez et multipliez-vous. Ce n'est pas une multiplication, à la volée, dans le désordre, le libertinage sexuel, comme on rencontre parfois sur nos chemins. Et vous voyez, c'était dans le respect parce que Dieu a voulu que le monde se multiplie. Et nous verrons dans le Nouveau Testament la façon que le Christ ramène le mariage. Et j'avais encore expliqué ici que lorsque ce mariage est contracté, et qu'il a été consommé, il n'y a plus possibilité de divorce. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, Dieu, dès le départ, a voulu que l'homme soit à côté d'une femme,
pour que la vie soit encore plus belle. Mmh. Et à côté de l'homme, la femme se présente comme un apport, un soutien. Un soutien. Les évangiles diront « mbarlé », c'est-à-dire quelqu'un qui soutient. L'homme a sa place et la femme a sa place. Il y a une complémentarité dans la vie du couple. Et nous allons voir, l'Église ne peut qu'être, comment dire, pour appuyer ce que Dieu au départ a initié. C'est pas l'Église qui initie le mariage ou bien une vie conjugale ou la sexualité. C'est Dieu plus que nous. Chacun de nous a trouvé la sexualité. Maintenant, comment vivre par rapport aux instructions de l'Église? L'Église veut que la sexualité soit non seulement réfléchie, méditée, mais orientée dans le sens du vrai. Qu'il n'y ait pas des colorants ou des apports extérieurs qui influenceraient l'amour propre que Dieu veut entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui encore, on trouve, il y a des hommes qui se marient parce qu'ils veulent des enfants. Ce n'est pas ça qui constitue le mariage, la vie sexuelle. Il y a d'abord l'amour réciproque, mutuel, qui doit exister entre l'homme et la femme. Et c'est pour cela que nous voulons que la sexualité soit vécue dans le mariage. On ne marie pas ou on n'accepte pas le mariage parce qu'on doit avoir un enfant ou la femme va nous donner l'enfant. Nul d'entre les deux ne sait comment on fabrique un enfant. C'est un don libéré de Dieu. Il faut d'abord cet amour mutuel et Dieu voulant, il y aura ce qu'on appelle la procréation. L'enfant peut venir. Mais on voit aujourd'hui que on accepte le désordre sexuel parce que la fille doit d'abord prouver que je peux procréer. Mmh. On amène la fille à se lancer dehors pour chercher un enfant, peut-être qu'il ne sera pas l'enfant du vrai père. Mmh. Parce que le garçon veut découvrir que cette fille est capable de donner. Ça déforme un peu le sens du mariage. Se marier, j'apporte ma couleur. L'autre apporte un mélange. L'homme a sa couleur, la femme a sa couleur. Et les deux s'acceptent. S'acceptent après avoir médité et bien réfléchi s'ils sont appelés à vivre ensemble. Et lorsque les deux couleurs arrivent, il ne doit plus avoir une couleur imposante. Il faut une fusion et dans les deux couleurs, il y a une qui va ressortir. C'est celle-là que les deux acceptent. C'est le mariage. Donc, je ne voudrais pas pour le moment épuiser, mais je voudrais dire l'Église pense que la vie sexuelle doit être ordonnée. Et il n'y a pas de hasard. Je suis un homme, je cherche à avoir une femme. Et la femme qui vient vers moi ne doit pas être un objet, c'est une fin. Je dois méditer et être sûr que vraiment c'est ma vraie femme qui arrive là. Et lorsque je l'embrasse, que ça ne soit pas dans mon plaisir. Vous revenez à dire, mon père, que, comme l'a dit la dernière fois l'apôtre Abdou Kaudio sur ce plateau, que pas de sexe avant le mariage. Absolument. Ça intéresse vraiment aux jeunes qui écoutent. Absolument. Oui, les jeunes, ça les intéresse peut-être moins. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand un jeune rencontre une fille, on ne cherche même pas à savoir, elle sort d'où. On ne cherche même pas à savoir, est-ce qu'elle est de mon sang, l'inceste. Est-ce que vraiment elle est malade ou bien portante? Et après, on se retrouve à l'hôpital central, ou les pieds en l'air, ou parce qu'on n'a pas pris le temps. On a vu, on a embrassé,
Et nous savons, ce n'est pas tout ce qui brille. Ok, oh. Alors, c'est sûr, on va passer la parole à Rafik Kanolo. Mais avant, j'ai été dans une église où ça, le pasteur disait que chaque homme a sa côte qui se balade à l'extérieur. Et il demandait aux hommes d'aller chercher les côtes qui se baladent à l'extérieur. Je pense que ça, c'est intéressant, une façon de dire qu'il est très important d'être en couple, du moins de vous marier avant de consommer l'acte sexuel. Alors, la Ficanolo, le père a chuté à un point qui m'intéresse, l'inceste, qui est aussi un côté consommable dans la Ficanologie, puisque... Je me rappelle par exemple, nous chez nous, dans notre tradition bantou, on se rend compte qu'il y avait une façon de soigner ça, il y avait une façon de traiter ça. Si on restait d'abord un peu sur ce côté de l'inceste-là. Oui, il fallait d'abord que nous revenions. Nous parlons d'abord pourquoi la sexualité déréglée est dans la société. Quelle est la conception dont on fait de la sexualité qui n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que le problème de la sexualité désordonnée vient d'abord du fait que l'homme, étant fait comme un conquérant, veut conquérir à tout prix la femme. Et une fois qu'il a conquis la femme, cela est considéré comme le trophée qu'il aurait eu, c'est-à-dire qu'un gain qu'il aurait eu, c'est-à-dire une victoire qu'il aurait fait. Et les femmes, en retour, sont en train de considérer cette sorte de sexualité dont l'homme est donc vainqueur, comme des victimes consentantes ou alors des victimes tout court. Donc, ça veut dire on dit que pour ne pas trop être victime, elle se met donc à faire une sorte de marché. Et dans cette sorte de marché, où ce marché va d'abord commencer dans le plan psychologique, à faire marcher l'homme derrière elle pour voir si, c'est-à-dire sa condition féminine peut dominer sur l'homme avant que les choses arrivent. Il faut déjà voir que c'est là où commence la sexualité désordonnée. C'est-à-dire que ça devient donc comme un défi. L'homme va vers la femme par défi et la femme va aussi défier parce qu'elle va d'abord coûter cher. Et là, immédiatement, ça devient un problème de marché. Or, quand nous regardons comment Dieu va classer la sexualité, Dieu est clair lorsqu'il est en train de dire: tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Or, à cette base où les hommes sont donc les conquérants, les femmes savent donc finalement que, au lieu que nos désirs qui se portent vers les hommes, nous allons vers les hommes, elles commencent donc alors à créer des choses qui vont attirer l'homme vers elles. Comme quelque chose, par exemple. Vous allez voir qu'on ajoute les cheveux, on baille les sourcils, on va pomper les joues, on va pomper les fesses, on va pomper les seins, on fait tout. Et on laisse un peu toujours la moitié pour que l'homme ait déjà l'attention. Parce qu'elles ont compris que comme l'homme veut me conquérir, il faut que je l'attire. Et vous allez donc voir qu'à chaque moment, il y a des choses qui s'ajoutent, les ongles qui s'ajoutent, tout devient artificiel. Voilà. En fait. Toutes ces choses font donc en sorte que le désordre sexuel s'installe dans la pensée. Ma question pour qu'on évolue ensemble, est-ce tout ce qui est artificiel, c'est pas obligé quand même? La femme n'attrape pas non plus dit, bon voilà, regarde comment je suis bien habillé. Non, le problème est que, comme on dit chez nous, l'homme c'est quelqu'un qui est fragile. C'est-à-dire que s'il faut dire, dans la sexualité, l'homme, c'est-à-dire, s'excite vite pour aller vite. Hein, c'est-à-dire... Maintenant, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire donc? Parce que là, quand on parle de l'homme, là, on parle de l'homme d'une manière ramassée de tout le monde, dans le monde. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on devrait quand même avoir, je parle puisque c'est une télévision chrétienne, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se combattre en tant que... Le problème est d'abord qu'on essaie d'abord d'expliquer pourquoi les choses sont déréglées et on essaie donc de donner maintenant la règle de Dieu. Dans le plan de Dieu, je dis très bien que dans le plan de Dieu, lorsqu'il y a eu arrangement, Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais je me suis retrouvé souvent avec des servantes de Dieu qui ont souvent interprété ces désirs dans le matériel.
Donc Thésée, si se porteront vers l'homme, c'est que la femme, l'homme doit avoir du matériel, et le matériel, c'est-à-dire, c'est ça que... Or, en réalité, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il n'y avait pas question de matériel. Quand il parlait que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi, il sait exactement ce qui se passe. Il arrive donc que la sexualité déréglée est d'abord une pensée aussi déréglée dans la tête de l'homme et de la femme qui sont en train de vouloir jouer avec le sexe. Parce qu'en réalité, on ne joue pas avec le sexe. Le sexe est déjà quelque chose qui te donne le respect dans la société, comme ça peut te donner aussi d'être nul dans la société. Donc, jouer déjà avec le sexe, c'est qu'on est quitté dans l'orientation de Dieu et on a commencé à voir des choses dans notre propre standing. C'est-à-dire que, comme je venais de le dire, quand nous, on était jeunes, on savait très bien que tu avais un cahier, tu dis que cette année, je veux coucher 50 filles. Et chaque fois que tu rencontres une fille, tu pars, tu coches. Tu rencontres une fille, tu pars, tu coches. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un défi entre nous là. Et lorsqu'on arrive, on commence déjà à défalquer. Donc, j'ai couché avec celle-ci. Parfois, il y avait toujours des preuves. C'est-à-dire que si tu as couché, quand tu entends quelqu'un chanter que ton caleçon fait quoi chez moi, c'est les choses qui se passaient. Parce que pour avoir ces preuves, il fallait que tu aies quelque chose d'intime de la femme qui est restée entre tes mains. Alors, il se retrouvait donc cette manière déréglée. Et quand on devient donc chrétien, jusque-là, je n'ai pas encore entendu même pour des pasteurs, c'est-à-dire enseigner autre chose. La chose reste toujours de la même manière et que même les épouses, même des pasteurs font le même marché. C'est-à-dire que quand maman n'est pas contente de quelqu'un dans l'église et que papa veut à tout prix établir l'église, elle fait le droit de veto avec quoi ? Elle va faire comme Ron est en train de dire. Elle va s'habiller. Le papa pasteur va essayer de vouloir jouer. Il va lui dire que non, c'est parce que tu vas choisir entre moi et Bertin. Parce que je vous ai déjà dit que Bertin, c'est un mauvais garçon. Et toi, tu ne fais que le soutenir là-bas à l'église. Tu vas choisir entre lui et moi. Alors, finalement, pour que le pasteur ne soit pas en train de saboter son foyer, il est en train de vivre ce calvaire à l'intérieur. Alors, ça ne permet pas à ce que, quand le pasteur lui-même va se placer pour enseigner, qu'il donne un enseignement qui doit à tout prix remettre les choses en ordre. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu est en train de dire, le corps d'une femme ne l'appartient pas, c'est à son mari. Le corps du mari ne l'appartient pas, c'est la femme, ça appartient à la femme. Donc, ça veut dire qu'une sorte de 50-50, comme on a dit dernièrement là. Mais quand ça se trouve déjà que c'est un moyen par lequel la femme va se donner la valeur en se faisant payer matériellement ou moralement, ce n'est plus bien. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va donc enseigner à nos brebis qui viennent au-devant de nous hein? Lorsqu'on va, on va leur dire quoi? On va leur commencer aussi à les enseigner et c'est la même chose qui est en train de se produire. Et des pareilles émissions sont donc pour qu'on tire un peu, c'est-à-dire de l'alarme, pour qu'on fasse comprendre aux gens qu'il y a ce que Dieu a dit. Et il y a ce que nous pensons. Et comme Dieu dit que, comme la terre et le ciel sont éloignés, c'est ainsi comme ça que les pensées de Dieu sont éloignées de nous. Or, nous devons enlever la pensée de l'homme dans des choses parfaites que Dieu nous a données. Je vais d'abord m'arrêter là. Effectivement, donc, pour donner aussi la parole à un autre panéliste, hein, moi je m'intéressais aussi à chuter sur l'insecte hein, que tout à l'heure. Tu m'en as demandé, mais je n'ai pas chuté là. L'inceste, déjà, en Afrique, est tellement élargi. Parce qu'il y a une classe de femmes, comme moi, par exemple, je suis esselé. Je ne peux pas aimer une esselé. Donc, si je me lève pour aimer une esselé, je sais ce que cela va donner. D'abord, un, je suis déjà en train de créer ma communauté à part. Moi et la femme et la fille esselée que nous avons, c'est déjà une communauté à part. Personne ne va nous supporter. C'est déjà trop dangereux. Donc quand on parle de l'inceste, ça ne se limite pas à la manière dont on peut parler dans la Bible. L'inceste en Afrique, c'est quelque chose de plus développé. Parce qu'on a des classes sociales, c'est-à-dire des familles élargies et on les respecte. Et la Bible dit que nous ne devons pas déplacer la borne ancienne.
Et si on revient un peu en Afrique, quelles sont les conséquences, par exemple? Les conséquences sont tellement graves. Il arrive le plus souvent que vous accouchez des enfants, les enfants meurent sans raison. Mm-hmm. Il arrive le plus souvent même que même si ces enfants-là vivent, ce ne sont pas des enfants qui vont être, c'est-à-dire, mm-hmm. c'est des enfants abrutis, qui n'ont presque rien. Si je parlais en patois, j'allais donner le nom. C'est-à-dire que c'est Enoua, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne présente absolument rien, mais qui vit tout simplement pour vivre. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui vit rien que pour manger. Alors, merci. Alors, en tant que chrétien, donc, on a cette situation, pasteur Bertin. On a, par exemple, le sexe qui a été consommé. Est-ce qu'à travers la prière, vous, en tant que pasteur, vous pouvez mettre fin à ça? Parce que je rappelle qu'en Afrique, les sexes, on traite ça au village. On traite ça avec, du moins, il y a plusieurs façons de le faire. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut prier au nom de Jésus et qu'il y ait une solution? Merci, c'est une très belle question. Mais avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur le texte biblique a cité. Lorsque la Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari, lorsque nous prenons ce texte et nous nous baladons dans la Bible, ça veut simplement dire une chose. Ça veut simplement dire une seule chose. C'est que dans toutes les décisions qu'il faudra prendre dans la maison, le mari doit avoir le dernier mot. Et lorsque nous n'avons pas compris cela, nous allons aller avoir les problèmes avec l'apôtre Paul, qui dit que la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas faire ceci. En fait, quand nous prenons la peine d'observer et d'entrer dans le contexte de la Bible, nous nous rendons simplement compte que, quel que soit ce que la femme peut faire, il va falloir que le mari donne le dernier mot. Voilà vraiment ce que tout cela veut dire. Le matériel n'a pas sa place là-bas. Par exemple, s'il faut acheter le frigo à la maison, aujourd'hui les choses se sont tellement dénaturées que lorsque la femme dit qu'elle ne veut pas le frigo, mais le dernier mot revient à l'homme. Nous voulons acheter le frigo. C'est le mari qui doit donner le OK qui sanctionne l'achat ou le refus de l'achat du frigo. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Vous allez essayer de lire dans les livres des Nombres où on va vous faire savoir que si lorsqu'un mari part en voyage et que par derrière la femme reste peut-être contractée quelque chose et prendre des engagements, lorsque le mari rentre, s'il est au courant de ça, il peut annuler. Il peut annuler. C'est biblique. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons la Bible, de bout en bout, c'est cette idée-là qui va jusqu'à la fin, jusqu'à aller rejoindre les propos de l'apôtre Paul. Revenons au cas de l'inceste. Bibliquement, l'inceste, l'interdiction de pouvoir avoir des rapports avec notre parenté, parce que l'inceste, c'est le fait de pouvoir avoir les rapports sexuels avec notre parenté. L'interdiction, parce que avant le décalogue, il y avait des exemples d'inceste aujourd'hui. Mais dans l'idée de Dieu de bannir l'inceste, son idée était d'enlever l'égoïsme dans les cœurs des hommes. Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, on devait se retrouver avec certaines familles parce qu'ils sont riches. Ils ne voudraient pas que leur richesse puissent aller dans une autre famille. Ils devraient juste s'arranger à ce que leurs enfants se marient entre eux. Mais dès le départ, comme il a très bien dit, que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu avait vu ça. Il a dit que non. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever dans la manifestation de l'homme. C'est venir briser l'égoïsme, l'égocentrisme de l'homme, l'inceste. Tout ce qui passe à côté, on va venir dire que les enfants vont devenir débiles et tout ça. Ça, ce ne sont que c'est ce que le diable a pris et a amené la tromperie dans la tête des gens. Nous avons, pour nous qui sommes des Africains, nous avons la manifestation de la sorcellerie où le diable passe tout le temps à faire des choses pour pouvoir égarer des gens. Mais vraiment, l'interdiction de ne pas se marier entre parentés, c'était pour enlever l'égoïsme dans les têtes des gens. Je me rappelle l'émission passée,
Avant de commencer cette émission, j'avais dit que lorsque je regarde le thème que nous développons, je réfléchis sur la base de la Bible. Parce que pour moi, l'Église a le droit de présenter et d'expliquer l'enseignement de la sexualité. L'Église n'a aucune autorité sur la sexualité. Celui qui a l'autorité sur la sexualité, c'est Dieu. Et pour moi qui parle, c'est la Bible qui fait autorité. Parce que, bon, là également, nous pouvons aller essayer de voir dans la définition de la Bible. Certaines personnes peuvent dire la Bible contient la parole de Dieu, la Bible fait ceci. Mais vraiment, pour moi, la Bible du début à la fin est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. J'ai dit très bien, ça c'est pour moi. C'est ce que je crois. Et c'est ce qui est vrai. Alors, lorsque nous partons regarder le problème de la sexualité, qu'en pense l'Église? Je pense très bien qu'il faudrait que nous puissions dire la sexualité. Qu'en pense Dieu? Que dit la Bible sur la sexualité? Le révérend père, il a été vraiment, c'est l'un des pères catholiques que j'ai trouvé qu'il est vraiment honnête envers lui-même. Il a très bien pris la peine de nous retracer l'histoire de la sexualité. La fois dernière, nous avons défini la sexualité d'abord que c'est la volonté de Dieu qui est des sexes opposés. Parce que quand on parle de la sexualité, c'est cette présence-là qui est des sexes opposés. Il y a une femme et il y a un homme. Comme je l'ai dit dans mes propos d'introduction, lorsque nous voyons le Cameroun aujourd'hui, nous parlons du vivre ensemble. L'idée de la sexualité qui est un homme et une femme, voilà l'idée de Dieu de pouvoir vivre ensemble. Aller dans le mariage, nous voyons la vie, l'unité dans la diversité. Nous voyons cela. Ce sont des valeurs que nous défendons aujourd'hui au Cameroun. Mais voilà, dès le matin, dès la Genèse, Dieu avait bien pris soin de mettre cela devant nos yeux. Mais maintenant, il y a quelque chose qui rentre. Comment vivre cette unité-là? Comment vivre cette sexualité-là? Alors, la Bible cadre la sexualité dans le cadre du mariage. J'ai été vraiment très surpris et très subjugué. Il y a un internaute qui a écrit la fois dernière en posant la question, comment est-ce qu'un homme ou une femme qui est divorcée peut encore vivre sans connaître le sexe opposé? Une chose est claire, la sexualité ne doit se vivre que dans le cadre du mariage. C'est ce que Dieu dit. Comme vous parliez de la prière tout à l'heure, vous savez, pour moi qui ai la grâce de lire la Bible, je dis très bien que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Regardez les détails que Jésus nous donne dans la prière. Il dit que d'abord, sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous faites face à un problème, vous voulez chercher à le résoudre de vous-même. Sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est quand il était là. Maintenant, quand il s'en va, il dit que, attendez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un autre consolateur qui vient. Lui, il vous conduira dans toutes choses. Ce consolateur-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cherchez à vivre une vie de chasteté avec nos propres forces. Cela va nous dépasser. Mais si un temps soit peu, pendant que je suis divorcé ou pendant que je suis séparé avec mon mari, je demande, il y a une formule, bon, il y a une parole de l'ange que, envers Marie, quand Marie est surprise. Mais comment cela va-t-il se faire? L'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et un enfant naîtra de toi. Alors, si dans notre prière, nous demandons au Saint-Esprit ou à la puissance du Très-Haut de nous couvrir et de manifester la vie de chasteté, quel que soit le niveau où nous nous retrouvons, le Saint-Esprit va se manifester et nous allons vivre cette vie de chasteté-là. Je ne parle pas de ça en termes de connaissance ni de lecture, je parle de cela en termes d'expérimentation, parce qu'on ne connaît que ce qu'on a expérimenté. Personnellement, je l'ai expérimenté. Le fait de dire au Saint-Esprit, pour l'instant, madame est en voyage. Elle est en voyage pour
un mois, deux mois, trois mois. Mais tout autour de moi, là, les hommes, comme il a très bien défini, les hommes ont des gros yeux. Tu passes à gauche avec les DVD qui sont là aujourd'hui, ça éveille les sensations. Mais comment, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, que la puissance du Très-Haut me couvre de son ombre et me rend capable d'être fidèle à mon épouse, même en son absence. Cela est possible. Essayons et nous verrons. Essayons donc et nous verrons. La prophétesse Louise, le sujet est tellement intéressant que, puisqu'on parle de la sexualité aussi, l'inceste, ça fait partie de la sexualité, ce n'est qu'une conséquence de cette consommation. Alors moi, je m'intéressais à savoir parce que j'ai vécu la semaine dernière, pour les personnes qui vivent dans les villages, quand une femme accouche, voilà, la troisième génération, il faut faire des rites pour que la grand-mère, bien l'arrière-grand-mère, porte l'enfant. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les villages, quand une femme voit la troisième génération, c'est-à-dire que quand une femme devient arrière-grand-mère, pour porter son arrière-bébé, arrière-petit-enfant, c'est pas trop, il fallait un rite. Voilà. Mais depuis quelques temps, désormais, ce rite n'existe plus parce que l'Église est arrivée. L'arrière-grand-mère, tout simplement, peut aller voir le prêtre va bénir, un pasteur. Alors, on se pose des questions aujourd'hui. Ça ne joue pas. Je vais revenir à cette question, vous intéresser tout à l'heure, sûrement vous allez répondre là-dessus. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec l'inceste, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a des frères, des parentés qui ont consommé l'inceste et on dit, bon voilà, allons voir un pasteur, allons voir un prêtre, ça s'arrête là. Bonsoir. Merci. Une fois de plus, bonsoir, madame la prophétesse. Moi, j'ai un problème, c'est que, premièrement, quand je lis dans le livre de la Genèse 1, je me rends compte que quand Dieu crée les animaux, le premier mot qui sort dans la bouche de Dieu, c'est que soyez féconds. C'est-à-dire qu'il crée homme et femme, animaux, homme et femme, oiseaux. Il dit soyez féconds. Quand il arrive chez les hommes, il dit soyez féconds, multipliez la terre et assujettissez-la. Là, une question qui vient dans ma tête, quelque chose qui me fait réfléchir, c'est quoi? Premièrement, Dieu, la sexualité ne s'adresse pas aux enfants, ça s'adresse aux personnes adultes. Dieu dit soyez féconds, à qui? Ça veut dire que Adam et Ève doivent être féconds. Ça veut dire que ce sont des adultes. Mm-hmm. Donc la fécondité ne s'adresse pas. En fait, la sexualité n'est pas pour les enfants. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous avons changé les choses. On parle même à l'enfant de 1 an de la sexualité. Ce qui pour vous n'est pas normal, vous pensez? Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Dans le plan de Dieu, c'est pour les adultes. Soyez féconds. Ça veut dire qu'il leur parle déjà des bébés qu'ils vont porter, de la multiplication. Il ne leur conseille pas que, quand vous avez 15 ans, là, quand vous aurez 60 ans, vous allez vous marier. Ça veut dire que là, Dieu proclame qu'ils doivent se multiplier. Ça veut dire que la fécondité s'adresse automatiquement aux personnes adultes. Et s'il y a personnes adultes, ils seront de deux sexes, hommes et femmes. Et on leur parle de la fécondité. Moi, je vais parler de quelque chose. Moi, j'ai souvent pensé une chose, et puis c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça, peut-être. Ou alors, je suis peut-être devenue africanolo. Le mariage se faisait autrefois comment? Le mariage se faisait autrefois sur la... Parce que je vais répondre sur le problème d'inceste. Le mariage se faisait autrefois sur la base des totems et sur la base de la famille. C'est comme ça qu'on se mariait. Et dans la Bible, les gens se sont mariés parce qu'ils étaient de la même tribu. La famille de Benjamin, les Benjamin se mariaient entre eux. Je ne sais pas s'il y avait inceste là-dedans. Je ne sais pas. Les judas se mariaient entre eux. Je ne sais pas s'il y avait inceste dedans. Ça fait que il y a une famille qui n'avait que des filles. Et maintenant, la famille, c'était les gens de Judas. Ils ont eu peur parce que les terres avaient été réparties. Les terres avaient été reparties de manière à ce que les gens de Benjamin ne devaient pas venir prendre la terre des Judas. Et maintenant, il y avait donc un problème. C'était une famille qui n'avait que des filles. Les filles, elles sont pleines. Mais nous, on va donc faire comment? Puisque nous, on doit se marier. On va donc faire comment? Et leurs frères qui étaient de la même famille, c'est plein que, mais si vous partez, vous allez partir avec nos terres, parce que votre père était héritier. Est-ce qu'il y avait donc un problème d'inceste là-dedans?
Après, Dieu a, ils sont partis demander à Moïse le conseil. Moïse a dit que non, mariez-vous dans votre propre famille. Ils sont mariés à Juda pour que les terres. C'est quel livre qui nous explique ça? C'est très important parce qu'à la maison, quand on nous écoute, il y en a qui Moïse, note. Après, je t'en parle de ça. On va revenir sur le livre de. En fait, Nombre ou Deutéronome 11-16, je vais les ramener la semaine prochaine. D'accord. C'est toi qui as lu beaucoup la Bible. Donc, c'est très important. Cher... Mais maintenant, est-ce qu'il y avait un poème d'inceste là-dedans? Ils étaient la même famille. Ils devaient se marier de la même famille pour que la richesse n'aille pas ailleurs. Est-ce qu'on parlait d'inceste? Ça, c'est la Bible. On ne doit pas se marier dans une autre tribu. Pourquoi? Parce que des guerriers comme les Lévis ne devaient pas marier les royaux comme les gens de Juda parce que ça devait déranger. Et Dieu a prévu ça comme ça. Et chaque terrain, chacun devait se marier dans son village. Maintenant, je reviens sur dans nos familles africaines. Excuse-moi de prendre un peu ton... Non, il n'y a pas question. Allons-y, on écoute, on donne la parole, allons-y. Le mariage se passait dans le cadre des totems. C'est comme ça qu'on s'est mariés. Nos parents se sont mariés comme ça. Dans le cadre des totems. Dans le cadre d'une lecture, d'une projection que l'autre famille faisait de l'autre. Donc, quand tu arrives au village, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas me démentir cela. Jusqu'aujourd'hui, le mariage dans le village se fait toujours sur la base d'un totem. Dans votre village, seulement, apparemment. Dans les villages. Et c'est pour cela qu'on avait accès dans... On essaie dans moins de divorces. Mm-hmm. Parce que les gens avaient le temps de regarder que la famille de Dupont, là, qui veut marier mademoiselle Thérèse, là, leur totem, c'est quoi? Quand tu arrivais, on faisait le test. On fait le test. Ça se fait au village. D'accord. Je ne vous coupe pas. Pourquoi les voulez ensemble, s'il vous plaît? Et si on restait un peu dans le cadre chrétien, c'est-à-dire que là, c'est avant, on retrouvait les mariages. Sur le cadre africain, il fallait le thème. Alors, de nos jours, nous sommes en 2019, nous sommes des chrétiens. Je veux justement arriver là. Oui. Je veux juste sur ça. Oui. De nos jours, c'est quand on se passait dans le village et on avait moins de divorces parce qu'on faisait les tests des serpents, les esprits des serpents se mariaient entre eux, les esprits de poissons se mariaient entre eux. C'est ainsi que les mariages se faisaient au village. Tu ne pouvais pas être poisson, tu peux épouser les gens qui ont le thème serpent, ça ne se faisait pas au village. Oui. Ça, c'est au village. Mais maintenant, nous sommes venus en Christ. En Christ, maintenant, nous devons retourner dans ce qui était avant. Mm-hmm. Ce qui va permettre donc à ce que les mariages soient des mariages qui viennent de Dieu. Mm-hmm. C'est que dans la maison de Dieu, on devrait avoir... Pourquoi dans le village, on avait ces sorciers-là qui pouvaient déceler que ça, ceci, on le totem serpent, ceci, on le totem poisson, il ne doit pas se marier. Ça existe dans les églises ici. Dans l'église, donc, on devait trouver... Un pasteur se lève le matin, je veux donc vous dire, donc, c'est pour ça que je veux donc vous faire comprendre que dans l'église aujourd'hui, on devait trouver ce... C'est pour ça qu'on parle de discernement des esprits. On devait trouver ce genre d'homme de Dieu assis, ce genre de femme de Dieu assise. Que quand moi je vais me lever maintenant, ou bien quand un jeune homme ou une jeune femme vont se regarder, le pasteur doit être capable de connaître les esprits qui animent ces deux personnes. De façon à ce que quand il agrée le mariage, il agrée un mariage qui doit aller jusqu'à la fin. En fait, quand on parle de mariage, on parle de sexualité. Quand on parle de sexualité, on parle de mariage. Parce bien que sûr, nous sommes dit que le mariage, c'est dans le sexe, dans le mariage. C'est dans le mariage. Mmh. Et c'est pour les adultes. Mmh. Les enfants, on ne doit pas les parler de sexe parce qu'ils ne connaissent rien de ça. Ils doivent être justement éduqués à leur facile, ça, c'est laver, ceci. Moi, ils ont un temps moderne, ils vont aller à l'école, ils apprennent l'école. Ils devaient apprendre l'école sans parler de sexe parce que ce n'est pas pour eux. C'est pour les adultes. Dieu a dit que soyez fécond. C'était les vieilles personnes. Là, ma prophétesse, là, vous parlez, on ne doit pas parler de la sexualité aux enfants. Là, c'est à le temps moderne, nous sommes aujourd'hui. Bien. On ne devrait pas. Si parce on que je parle le cas, par exemple, de ma grand-mère qui s'est mariée à l'âge de 9 ans. Mm-hmm. Bon, ma grand-mère qui vit toujours, voilà. Elle s'est mariée à l'âge de 9 ans. Mm-hmm. Et là, à ce temps-là, on devait parler de quelle sexualité? Je ne sais pas si elle a couché avec son mari à 9 ans. Je pense que... Elle a fait son premier enfant à 11 ans. Je pense qu'elle est arrivée à la maison, on a attendu qu'elle voit les règles, je suis sûr. On a attendu qu'elle voit les règles. J'ai vu ce même, ma grand-mère avait marié comme ça. Mm-hmm. On a attendu qu'elle voit les règles. Oui. Mais à 14 ans, quand on a couché enfant, pour vous, en tant que prophétesse dans une église, à quel âge on devait parler de la sexualité? On devait parler, c'est pour les gens, c'est pour les gens matures, les gens qui peuvent déjà se marier, les gens qui peuvent déjà. Pour moi, je pense qu'on devait parler de sexualité à des personnes. C'est parce que. Oh ben,
Des adultes déjà. Des adultes. D'accord, intéressant. Des adultes. Donc moi je voulais revenir sur ce que je disais, tantôt que à l'église on devait trouver ces pasteurs-là qui ont un discernement des esprits. Parce qu'à l'église on devait se connaître. Aujourd'hui nous vivons cette société dispersée parce qu'on ne se connaît pas à l'église. On ne se connaît pas. Dans une église, on ne se connaît pas. Donc, le gars, il arrive devant le prêtre aussi bénit le mariage. On a payé l'argent au prêtre. On a payé les derniers de culte pour le mariage. On paye les mariages? Ah non, je vais les payer pour la célébration. Le prêtre est là seulement pour les encadrer et tout. Et même avant, on prenait le temps. Il y avait le six qui faisait en sorte qu'on prépare la future épouse. Mais je regrette parce qu'on préparait seulement les femmes, alors qu'on devait aussi préparer les garçons. D'accord. À ne pas taper leur femme. Ok. On va revenir à vous. Hein. Moi, j'ai retenu quelque chose de très spécial sur l'intervention de la prophétesse. Elle dit, d'après elle, elle assume ses propos, que le mariage, du moins quand on parle du sexe, on ne devrait pas parler ça aux enfants. On devrait attendre un certain âge. Et je me pose la question de nos jours aujourd'hui. En fait, la plupart de nos ancêtres qui nous ont donné la chance d'être dans ce monde ont connu des mariages étant des enfants. Moi, je rappelle que mon arrière-grand-mère s'est mariée à 9 ans. Elle a eu son premier enfant à 11 ans. Et ça n'a pas fait d'elle une femme ratée de la vie. Elle a eu beaucoup d'enfants. Donc, je me dis, c'est difficile quand même en 2019 de vivre ça. Pasteur Bettin, vous avez envie d'intervenir. Oui, je voudrais intervenir sur un fait. Quand la prophétesse parle des totems, les totems, ce sont des dieux. Alors, nous, aujourd'hui, lorsque nous parcourons, excusez-moi de revenir, ma référence, allons-y, c'est la Bible. Allons-y. Lorsque nous cherchons à parcourir la Bible, nous nous rendons compte que ce n'est pas ce que nous appelons infidélité, que Dieu, lui, il appelle infidélité. Lorsque nous parlons et nous entrons dans le cadre du mariage, là où on dit que non, c'est pour cause d'infidélité qu'on doit donner une lettre de divorce à une femme. Et Jésus, lui, vient dire que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Voilà pourquoi il a dit ça. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est ce fait-là que dans un ménage, il y a un qui adore un autre Dieu et l'autre qui adore un autre Dieu. Regardez dans la Bible à quel niveau est-ce que Dieu parle d'infidélité au peuple d'Israël. C'est toujours à la période où le peuple d'Israël est parti adorer des faux dieux. En ce moment-là, Dieu les parle d'infidélité. Je suis d'accord avec le père qui dit que lorsqu'il y a mariage, il n'y a pas de divorce. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il a parlé, il a utilisé une expression là, séparation. Soit parce que un était malade. Annulation. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que pour moi, annulation sonne un peu comme divorce. En fait. Parce qu'il y a également quelque chose, il y a des questions que nous devons nous poser au fur et à mesure nous évoluons dans l'histoire. Quelque part, j'ai répondu un jour à quelqu'un que si l'apôtre Paul était de notre époque, il ne devait pas dire que je ne permets pas que la femme doit se voiler. Il devait dire, s'il était à notre époque, il devait dire que la femme ne doit pas porter les DVD, les VCD. Et tout ça, c'est ce qu'il devait dire. Parce que c'était un problème circonstanciel de temps. Si nous n'avons pas compris ça, nous allons continuer de nous battre et de nous débattre. L'infidélité, c'est l'adoration. Je ne sais pas, je peux prendre un exemple très simple. Moi, en tant que chrétien, le Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ. Comment je vais faire pour aller ne serait-ce que prétendre prendre pour épouse une femme qui adore un autre Dieu? Là, à ce niveau-là, il y a une fidélité. C'est ce que la Bible appelle. Il faut se marier dans le cadre des gens qui ont le même et le même Dieu. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Alors, l'africanologue, on va faire plutôt demi-tour. Hein. On va commencer, mon père. Alors, l'africanologue, tout à l'heure, là, il y avait certaines préoccupations où vous vous sentez concerné sur le moment. Oui, je pense que la prophétesse a touché beaucoup de points qui concernent
la vie d'avant, la vie africaine. Vous savez que c'est surtout ceux qui sont en train de nous écouter, qui ne sont pas trop chrétiens ou musulmans ou je ne sais pas quoi, ils ont aussi besoin vraiment de savoir comment ils peuvent arranger. Mais tout ce qui est sûr, c'est que lorsque nous parlons de l'africanologie, il n'y a pas africanologie sans Bible. Parce que c'est la Bible qui révèle l'Afrique. L'histoire de l'Afrique passe par la Bible. Si on est venu nous dire que l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits, on ne savait pas que dans les écrits, Dieu a utilisé les écritures africaines pour que la Bible soit débutée par là. Donc, ce qui veut donc dire que on ne peut pas parler africanologie sans essayer de parler de Bible. Bon, revenons donc à ce qu'on appelle inceste. Dans la Bible, on a vu l'inceste qui s'est passé entre les filles de Lot, les filles de Lot et Lot. Et nous voyons que les enfants qui sont nés là, Dieu ne les a pas acceptés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés, ils sont même devenus des ennemis d'Israël. Donc, en réalité, quand on parle de l'inceste dans la Bible, c'est Dieu qui va venir enseigner encore ce processus de l'inceste lorsqu'il va donner des lois. Au départ, le monde n'était pas déjà nombreux. On ne pouvait que faire en sorte que les gens se marient entre eux. Prenant un peu ce que le pasteur Bertin a dit concernant l'inceste, que Dieu ne voulait pas que les gens restent égoïstes, quelque part c'est vrai. Parce qu'en réalité, si le mariage était seulement fait par des gens, les membres, puisque ça se fait même presque aujourd'hui, parce que si on laisse, on va dire que les hétéros se marient entre eux, ils sont contents. Mais si un héton, tu peux prendre déjà une fille d'une autre tribu, tu vas d'abord écouter ce que les autres vont d'ailleurs te dire. Donc, il y a que la chose n'est pas tellement partie. Mais c'est resté dans le plan des tribus. La famille est devenue des tribus. De telle sorte que cette sorte de mariage qui doit être fait parmi les gens qui ont un même totem. Parce que quand elle parle de totem, il faut déjà que nous soyons d'abord trop clairs en ce qui concerne le totem. Parce que les gens ont l'impression que dans la Bible, il n'y a pas de totem. Mais cependant, ils ont la Bible en main. Ils voient comment on est en train de parler des quatre êtres vivants. Celui qui a la face de lion, celui qui a la face d'homme, celui qui a la face de taureau, celui qui a la face d'aigle. Tout ce chose-là, c'est que lorsque nous venons, il y a des monuments, il y a des choses qui renforcent des personnes à vivre ensemble. Or, lorsqu'on est en train de voir totem, on voit beaucoup plus, c'est-à-dire dans le totem, des personnes qui sont regroupées pour défendre un objet ou alors un animal. Non? Mais c'est plutôt que pour se mettre ensemble, il faut un point commun. Ils s'y mettent ensemble comme aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ont un point commun, c'est la Bible. Même si à l'intérieur de la Bible, ils ne s'entendent pas, mais le point commun qu'ils ont, c'est la Bible. Et si tu vas voir la manière dont chacun est en train de prendre la Bible à l'intérieur dedans, il y a les autres qui enseignent la lettre à gauche à droite, il y a les autres qui enseignent l'esprit à gauche là-bas, il y a les autres qui enseignent l'église même de l'autre côté. Mais cependant, le point commun, c'est la Bible. La Bible étant un objet, étant déjà un livre qui est écrit. Quelqu'un venait de vouloir contester ça tout à l'heure. Parce que dans la Bible, il y a le contenu et le contenant. Alors, quand quelqu'un dit que je veux dire que toute la parole, il y a des passages là-bas où on a dit, et le diable dit que, mais c'est le diable qui a dit, il y a des passages à l'intérieur où Paul dit que, selon ce que vous m'avez écrit, moi je pense que, il vous fait comprendre que c'est lui Paul qui est en train d'écrire ça. Or, le fait déjà de prendre déjà la Bible à la manière là, on rend déjà cette Bible déjà une idole. Et ça fait en sorte que toutes les personnes qui ont déjà pris la Bible comme ça là, sont obligées d'amener les gens dans un carcan qui ne les permet pas, c'est-à-dire de se libérer. Alors les gens vont croire que, oh comme vous êtes en train de voir, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui dis non. Nous avons la possibilité que lorsque nous suivons la Bible, suivre Dieu lui-même qui est vivant. La Bible n'est pas un livre qui a été écrit et que la personne qui a écrit le livre n'est pas vivant. Lui-même, il est vivant. Et la révélation à notre époque, qui n'est pas comme la révélation de Pierre ou dit comment à propos de la Bible, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que quoi? On a dit qu'il est Emmanuel et il est Emmanuel avec les hommes.
Il est le même hier avec les Abraham, avec tous ceux qui ont vécu avant lui. Aujourd'hui, à partir de sa naissance jusqu'à nos jours, et éternellement où nous allons vivre ensemble avec lui. Donc, il est impossible que les gens croient qu'on faille prendre la lettre et on vienne poser aux gens parce que c'est écrit comme ça. On a besoin de ce que cette parole-là soit vivante. Et pour que cette parole soit vivante, il y a donc des personnes à qui Dieu se révèle. D'où la prophétesse est donc en train de dire, il est tout à fait normal qu'il y ait cette sorte de révélation qui peut à tout prix imposer, c'est-à-dire, pas imposer, c'est-à-dire orienter des mariages. Or, s'il n'y a pas, c'est parce que, quelque part, ce n'est pas de la spiritualité, mais c'est un mélange de vie que nous avons. Nous prenons à gauche un pied à gauche, la danse bafia, un pied à gauche, un pied à droite. Donc, c'est ça qui fait beaucoup plus problème. Quand on revient donc à la manière africaine, vous allez voir que, comme vous parlez trop de sexualité avec la femme unique, vous allez voir que en Afrique, on n'a pas adopté un mariage où un homme et avec la femme doivent se marier. Parce que dès la création déjà, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme comme producteur. Quand vous regardez même dans les animaux, si vous prenez par exemple un coq et vous donnez 5 poules à quelqu'un, vous allez revenir 2 mois, 3 mois après, vous allez retrouver que ça dit la basse cour est pleine. Mais prenez par exemple 5 coqs et avec une poule donnée à une personne, vous allez revenir, vous n'allez rien trouver. Donc l'homme étant producteur, l'homme est fait déjà, c'est-à-dire l'homme est fait. Et vous allez voir que même dans la Bible, vous ne verrez pas où on nous montre qu'une femme avait 2 personnes, il y avait 3 personnes. C'est vrai que beaucoup vont commencer à nous raconter ici là qu'il y a eu des problèmes dans les mariages, polygamiques qui sont dans la Bible. Il y a problème, mais il y a toujours le même problème, même que lorsque même c'est une seule mère qui a accouché des enfants. Okay. Alors, mesdames, messieurs, vous écoutez l'émission Question de foi sur votre chaîne de télévision tous les lundis dès 19h. C'est 90 minutes de plus débat intellectuel, débat chrétien avec des personnes ressources qui viennent de partout, des prêtres, des imams, des pasteurs et même des libres penseurs, à l'instar de l'africanologue qui est avec nous sur ce plateau. Je vous souhaite de prendre une transition, on revient tout à l'heure pour clôturer cette émission. Nous sommes à moins de quelques minutes de la fin de l'émission, mon père. 90 minutes, ça court très exactement. On va prendre une transmission. On va prendre un repos. On se retrouve tout à l'heure. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé, Eligisono, immeuble Charco, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour dans ce plateau avec cette émission Belle Couleur, je rappelle que tous les lundis dès 19h, nous émettons depuis la ville de Yaoundé, singulièrement au quartier Fouda. Et les numéros qui sont en bas de l'écran, vous envoyez tout simplement des SMS, uniquement des SMS, je précise bien. Même si on n'a pas pu lire cet après-midi les SMS qui viennent de partout. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, la Chapelle de la Gloire de Christ. Sur Facebook, vous allez voir toutes les émissions qui sont passées. Alors mon père, à 7 minutes, on va vous donner quelques deux de là. Pour essayer un peu de nous faire le résumé, le ramassis de tout ce qu'on a suivi cet après-midi. Vous savez, Dieu n'a pas parlé de sexe à des hommes ou des femmes qui n'ont pas de sexe. C'est Dieu qui crée le sexe. Donc, parler à un enfant, le sexe, je ne sais pas si Dieu s'est réservé pour donner une possibilité de fécondité à l'enfant, homme ou femme. Qu'est-ce qui prouvera que l'enfant est stérile? Est-ce que Dieu a prévu la stérilité dans l'enfant ou la fécondité? Maintenant, l'enfant évolue. L'enfant évolue dans une société. Et je dis, toutes les déviations, tous les rapages que nous constatons aujourd'hui dans la société part de l'éducation que l'enfant a eue ou ça lui a manqué. La sexualité est liée à l'homme. Ça, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas quelque chose qu'on crée.
Si l'enfant de 2 mois pouvait parler, on lui parlerait toujours de la sexualité. Ce n'est pas un crime. Et il y a, au départ, Dieu a créé, parce que la Bible, moi qui est catholique, j'ai 73 livres dans la Bible. Ce qu'un protestant, je ne sais pas, peut-être 66, à moins. 66. Parce qu'il y a des livres qui n'ont pas été acceptés, comme Tobie, Maccabée et consorts. Dieu parle à un peuple donné et pour un temps donné et sous l'influence de ce que ce peuple vit en ce moment. Dieu n'a pas parlé, c'est moi aujourd'hui qui essaie d'actualiser ce que Dieu a dit il y a de cela des milliers d'années. Et cela demande un transfert d'histoire. Je dois d'abord comprendre pourquoi Dieu a parlé à ces gens. Et à ce temps-là, et pour quel motif? Qu'est-ce qu'il était influencé comme maladie? Qu'est-ce qu'ils avaient comme le repas quotidien? C'est-à-dire tout ça rentre dans l'influence d'une société. Dieu n'a pas parlé au hasard. Et maintenant, quand je sors de là, la Bible, comme mon frère venait de le dire, il y a le contenu qu'il faut sortir dans le contenant. C'est-à-dire que si on explique littéralement, la Bible, ça ne va pas donner. Oui. On verra même qu'il y a des faussetés là-dedans. Oui. Parce que l'auteur va prendre une image contre de soi pour vouloir raconter une réalité, mais dans le tableau, la maquette. Et si maintenant je reviens dans la sexualité, nous avions tous accepté que il faut vivre la sexualité dans le mariage. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'influence de la société. Aujourd'hui, c'est la réalité. Nous parlons que dans ma coutume, on choisissait la femme pour son mari. C'est les parents qui partaient chercher la fille. Et pour chercher cette fille et l'accepter, il fallait qu'ils prennent tous les renseignements possibles. Il n'y avait pas de totem. En fait, c'est ça aussi le totem. Ils faisaient tout ça. Alors, donc, je sais qu'on partait et on choisissait. Mais, en fait, quand on associe l'Antiquité là, parce que le Christ dit, je ne suis pas venu abolir. Mais je suis venu parfaire. Qui parle aujourd'hui, c'est le Christ. C'est lui qui éclaire. Parce que si on revient dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Dieu lui dit, je vais t'enlever ce qui fait ta beauté. Qui fait la beauté à tes yeux? Enlève la femme, ça dit qu'elle meurt. Parce que, et là, interdisant que je ne veux pas te voir faire ce qu'on appelle des rites, le veuvage, comme on fait aujourd'hui. C'est pour cela, nous par exemple, on a fait en sorte que tout devient... Si quelqu'un est mort chrétien, il faut l'enterrer chrétien. Et tout ce qui suit doit être chrétien. Vous avez parlé, elle a parlé qu'il faut mettre des visionnaires. Non, Dieu a créé l'homme libre. C'est que j'ai une personnalité. Quand j'atteins l'âge où... je ne me marie pas parce que mon frère a besoin d'une femme. Je me marie parce que j'ai besoin d'une femme. Et donc... j'ai qualité de choisir la femme qui me convient. Parce que si c'est ma mère qui a cherché ma femme, lorsqu'il y a stérilité, il y a dérapage, il y a l'infidélité dedans, ça sera que c'est ma mère. Dieu nous a créés, nous ne sommes pas des robots. Nous avons l'intelligence, le discernement et tout et tout. Le prêtre accompagne les deux gens qui se sont dit, nous serons ensemble. Et maintenant, l'accompagnement n'est pas une influence ou une imposition. Ils sont libres de gérer leur rencontre. Ce que le prêtre dira, non, ne n'allez pas au lit avant le mariage. Mais c'est la fiançaille, ça prépare l'homme et la femme. Maintenant, le temps court. Je voulais rentrer encore dans l'inceste. Okay, mon père, je pense qu'on reviendra un peu. On va continuer avec ce thème la semaine prochaine.
je dois donner la réalisation de nous encore quelques secondes pour dire, pour que chacun puisse dire bonsoir à sa langue. Hein. On va commencer par la prophétesse. Très rapidement, vous avez une seconde. Un bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent dans votre langue du village, comme on dit souvent. Ok, c'est quel patois déjà? Le Yambassa de Balamba. Là, c'est quel patois? Béton. Mon père? Mais il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Vous allez parler, hein? On peut ensuite aller dans le micro, allons-y. Mais il y a un peu de temps. Ok, voilà. Alors, ce mesdames et messieurs, disons que merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés pendant 90 minutes. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés partout dans le monde entier. Nous disons merci au message que nous avons reçu de Paris, au message que nous avons reçu de Libreville, de Tchang, un peu partout qu'on n'a pas pu lire. On se retrouve lundi prochain, si je le veux. Mais je rappelle que la rediffusion, c'est tous les mercredis et tous les samedis dès 17h. Ciao, ciao. On se retrouve lundi. Bye, bye.